إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa permission de lire quelques versets du Coran et d'en donner l'explication selon l'exégèse des savants de la Sunna. Alors nous en sommes arrivés au verset 142 de la sourate Al-Baqarah. Allahu tabaraka wa ta'ala dit: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nas ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahi al-mashriq wal maghrib. Yahdi man yasha. Dans le sens des versets, Allah Ta'ala dit: les faibles d'esprit parmi les gens vont dire: qui les a détournés de la direction, la Qibla, vers laquelle ils s'orientaient auparavant? Dis: c'est à Allah qu'appartiennent le levant et le couchant. Il guide qui il veut vers un droit chemin. Ce verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala en a fait un signe et en a fait aussi un moyen de tranquilliser le cœur des croyants. De même, Allah Tabaraka wa Ta'ala a répondu aux objections de ceux qui ont objecté à cet ordre d'Allah Subhanahu wa Ta'ala parmi les faibles d'esprit et les malades du cœur. Car en vérité, les faibles d'esprit parmi les gens ne connaissent même pas leurs propres intérêts. Bien au contraire, ils travaillent à détruire leurs propres intérêts. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est lui qui connaît l'intérêt pour l'être humain. C'est pour cela qu'il lui a ordonné, qu'il lui a prescrit des ordres et interdit des interdictions. Et c'est pour son bien. Et en vérité, les faibles d'esprit qui ne connaissent pas leur intérêt, ils sont prêts à vendre leur religion et toute chose pour la moindre valeur de ce bas monde. Et si Allah Tabaraka wa Ta'ala vise les juifs et les chrétiens et ceux qui leur ont ressemblé, tous ceux qui s'opposent, qui ont pris leur exemple à s'opposer aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et à s'opposer à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ses règles. Car quand Allah Tabaraka wa Ta'ala a ordonné aux musulmans de s'orienter au début de leur prière, quand ils étaient à la Mecque, vers Beit al-Maqdis, vers la maison sacrée de Jérusalem. Puis un an et demi aussi après l'hégire à Médine, c'est-à-dire toutes les salats, ils les faisaient en direction de la Qibla, étaient vers Beit al-Maqdis, vers la maison sacrée de Jérusalem. Toute la période, donc vers la fin de la période mécoise, quand la salat a été légiférée, et pendant un an et demi après l'hégire vers Médine. Et ceci pour une sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala est sage, et Allah tabaraka wa ta'ala a voulu cela pour changer après la Qibla, la direction de la prière vers la Kaaba. Et Allah tabaraka wa ta'ala a voulu que ce soit une épreuve pour les faibles d'esprit, pour montrer qu'en réalité ces gens ne connaissent même pas leur propre intérêt et ils sont toujours là à objecter les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ils savaient qu'ils allaient dire ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qui les a donc détournés de la direction vers laquelle ils s'orientaient auparavant? Donc en cela ils ont objecté et ils ont contesté l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala.
et sa sagesse, sa législation. C'est comme si en vérité, ils objectaient sur la sagesse, la science d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'Allah ne voulait pas le bien pour les gens quand il change une direction ou bien quand il a donné un ordre. Subhanahu wa ta'ala. Donc ceux qui ont peu, qui sont faibles d'esprit, qui ont peu de connaissances, il fallait qu'ils objectent à cause de ce qu'ils ont comme maladie dans leur cœur. Et ce verset prouve que n'objectent les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala et ne s'opposent et ne contestent les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'un ignorant, faible d'esprit, obstiné. Alors que le croyant bien guidé, raisonné, comment réagit-il? Il réagit et il accepte les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala de son cœur, de plein gré. Il s'y soumet par amour, en plaçant sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah ta'ala a désigné cela dans plusieurs versets, qu'il n'appartient pas à un croyant ou une croyante quand Allah et son messager déterminent ou décrètent un ordre, qu'ils aient un choix en cela. Et Allah ta'ala dit dans le sens des versets aussi, « Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas de véritables croyants tant qu'ils ne te prendront pas comme juge dans ce dans quoi ils se disputent. » Et Allah ta'ala cite aussi, « Quand ils sont appelés à Allah et à son messager pour qu'ils jugent entre eux, qu'ils disent, nous avons entendu et nous avons obéi. » Non pas comme les faibles d'esprit et les malades du cœur qui sont là toujours à contester et à objecter. Mais pourquoi ceci? Mais pourquoi cela? Et pourquoi pas comme ça? Et pourquoi pas comme si? Comme s'ils pensaient qu'il était plus sage qu'Allah et qu'il connaît mieux l'intérêt pour l'être humain qu'Allah qui est le créateur de l'être humain. Donc Allah Ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis, qul, c'est-à-dire réponds-leur à cette contestation, à ces objections. Lillahi al-mashriq wal maghrib. C'est à Allah qu'appartiennent le levant et le couchant. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Il guide qui il veut vers un droit chemin. C'est-à-dire, tout appartient à Allah. Autant la direction de la maison sacrée à Jérusalem appartenait à Allah, l'Orient et l'Occident, le levant et le couchant appartiennent à Allah, tabaraka wa ta'ala. Toutes les directions sont la propriété d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans ce cas-là, quel est le problème? Si Allah vous ordonne de vous diriger vers une autre direction qui est dans sa royauté, qui lui appartient, qu'est-ce que ça change à part que ça ne suit pas vos passions? Et malgré cela, Allah, tabaraka wa ta'ala, guide qui il veut au droit chemin. Et guide qui il veut vers cette direction, vers cette qibla, qui est la direction et la religion de notre père Ibrahim alayhi salatu wassalam, qui a construit la Kaaba avec son fils. Donc ceci fait partie des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala, pour lequel il est nécessaire de se soumettre et de ne pas objecter et de ne pas contredire en quoi que ce soit. Donc quand Allah tabaraka wa ta'ala dit « Il guide qui il veut vers un droit chemin ». Ici, ce verset est absolu, mais il a été réglementé dans d'autres versets. C'est-à-dire qu'Allah a fait des causes pour la guider et il a fait des causes pour l'égarement. Celui qui prend les causes de la guider d'une manière sincère, c'est-à-dire en s'attachant au Coran, en suivant la sunna du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, en faisant l'effort de contredire ses passions pour suivre la guider, alors Allah tabaraka wa ta'ala lui rajoute de la guider. Celui qui s'oriente vers Allah, Allah lui rajoute de la guider. Par contre, celui qui s'obstine, celui qui se détourne, celui qui veut devancer sa raison, ses passions, à la guider d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors Allah va lui rajouter de l'égarement à son égarement. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit « Wa kadhalika ja'alnakum ummatan » وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Dans le sens des versets, dans le verset 143, et aussi, nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins sur les gens, comme le messager sera témoin sur vous. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala
dit qu'il a fait de cette communauté une communauté juste, c'est-à-dire la meilleure, la plus juste, la plus droite, la communauté du juste milieu. Celle qui est au juste milieu, elle n'est dans aucun des deux extrêmes, ni le laxisme, ni l'exagération. Ni le laxisme, ni l'exagération, ni la négligence, ni le dépassement, au juste milieu. Et non pas le milieu, le juste milieu. Ce juste milieu, c'est la voie des prophètes, alayhim salatu wassalam. Cette communauté, elle est au juste milieu par rapport à toutes les autres communautés, et toutes les religions, et toutes les philosophies. Concernant les prophètes, elle est au juste milieu. Nous croyons dans tous les prophètes, contrairement aux autres communautés qui ont renié une partie des prophètes, ne serait-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, nous n'exagérons pas sur les prophètes, comme les chrétiens ont fait, jusqu'à ce qu'ils les aient pris en divinité en dehors d'Allah. De même que nous ne sommes pas durs et ingrats et froids envers les prophètes, et nous ne reconnaissons pas leurs droits et leur supériorité sur nous, comme ont fait les juifs qui ont tué des prophètes et des prophètes. De même, cette législation islamique, elle est venue au juste milieu par rapport à toutes les autres législations. Elle n'a pas de difficultés insurmontables ou bien supplémentaires comme la religion des juifs où ils ont beaucoup de règles très contraignantes. Et non pas le laisser-aller et la négligence des chrétiens qui n'ont aucune règle. Tout est permis. De même dans ce qui est pur, dans ce qui est licite et illicite, dans la manière de se purifier. Allah Ta'ala nous a rendu licite ce qui était pur et nous a rendu illicite ce qui était impur. Et aussi, on est au juste milieu entre les juifs qui ont beaucoup d'interdits dans la nourriture, dans les choses de la vie, et les chrétiens qui n'ont aucun interdit, qui rendent pures même les choses impures. Et ceci, que ce soit dans les ventes, dans les achats, dans toutes choses. Pour la salat, pareil pour la prière. Allah Ta'ala a fait que toute la terre pure est un lieu de prière pour le musulman. Alors que les juifs ne peuvent prier que dans leur temple. Que dans leur temple. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a fait une religion de juste milieu. Et il nous a rendu licite les choses pures et bonnes pour notre bien. Que ce soit dans les vêtements, que ce soit dans le mariage. De même qu'il nous a interdit tout ce qui était impur et mauvais. Donc Allah Ta'ala a complété et parfait cette religion pour les suiveurs de Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. De même qu'il a réglementé les meilleures morales et les meilleurs comportements et les meilleures œuvres pour cette communauté. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala leur a donné la science et l'indulgence et la justice. Et la bonté et tous ses bienfaits, il n'en a pas donné autant à toutes les communautés qui sont passées auparavant. Il a même été rapporté que certains parmi les prophètes d'Allah, quand ils ont vu les vertus de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont invoqué Allah pour faire partie de cette communauté. D'ailleurs, ils disent une des causes pour laquelle Isa alayhi salam, il reviendra à la fin des temps pour faire partie de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est que quand il a vu dans l'évangile la place et la vertu, la valeur de cette communauté, il a invoqué Allah de faire partie de cette communauté. C'est une des causes. Il y a d'autres causes qui sont citées aussi. Mais parmi les causes pour laquelle Isa alayhi salam viendra à la fin des temps, il y a aussi celle-ci. Et c'est pour cela qu'Allah Ta'ala a fait de cette communauté une communauté de justes, une communauté de gens droits, loyaux. Et c'est pour ça qu'Allah les a choisis comme témoins. Témoins sur toute l'humanité. Du fait qu'Allah Ta'ala leur a donné cette haute place, cette estime, et qu'il leur a donné la science et la pureté nécessaire pour être témoin sur les autres communautés et sur toutes les autres religions. D'ailleurs, comme la communauté de l'islam est au juste milieu par rapport à toutes les autres religions, de même Ahl Sunna, les gens de la Sunna et du groupe, sont au juste milieu par rapport à toutes les sectes qui s'affilient à l'islam. Certains vont dire, comment cette communauté sera témoin sur les autres alors que quand il y a un désaccord entre des gens, ce n'est pas possible qu'une des deux parties soit témoin sur l'autre. Alors la réponse à ceci, ce qui empêche qu'une des deux parties soit témoin contre l'autre, c'est quand on a un doute sur sa loyauté, sa justice et sa connaissance. Mais si Allah a fait l'éloge de cette communauté, qu'elle est loyale, qu'elle est juste, et qu'elle a la science, et qu'elle est la meilleure des communautés. Donc par ce témoignage d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette communauté a mérité cette place d'être témoin contre toutes les autres communautés. D'ailleurs, le jour du jugement dernier, quand les prophètes vont venir et témoigner qu'ils ont transmis le message à leur peuple
et que leur peuple vont les démentir, ils vont demander le témoignage de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui va témoigner effectivement, nous avons lu dans le Coran que tel et tel prophète ont transmis à leur peuple, et les peuples ont démenti. Ils ne les ont pas suivis en cela. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, comme il a fait de cette communauté un témoin pour les gens et contre les gens, il a fait du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme témoin pour cette communauté et de même sur les autres. En ce verset, il y a une preuve sur l'authenticité et la valeur de l'ijma', de l'unanimité des musulmans, comme l'ont dit les savants. Car quand Allah tabaraka wa ta'ala a témoigné de la loyauté et de la droiture de cette communauté, et qu'elle est une communauté droite et loyale, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se mettre d'accord tous ensemble sur un égarement, comme il est venu dans des hadiths. Que ma communauté ne peut pas s'unir sur un égarement. Donc si la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se met d'accord sur un sujet, sont unanimes sur un sujet, alors cela ne peut pas être un égarement. Et quand on dit la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire les savants de la communauté. Car les gens sont suiveurs des savants en cela. Une autre preuve de l'unanimité dans ce verset, c'est la parole d'Allah ta'ala, « Litakounou shuhada al-nas » pour que vous soyez témoins pour les gens. C'est-à-dire qu'ils sont témoins sur l'ordre et la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa législation. Ils sont témoins que Allah a rendu licite cette chose, ou Allah a rendu illicite cette chose, ou Allah a rendu obligatoire cette chose, ou Allah a rendu interdite telle chose. Il y a aussi une preuve que pour le témoignage et pour juger entre les gens, de même que pour faire la fatwa, il est nécessaire d'avoir cette caractéristique qui est l'adala. L'adala, la loyauté, la droiture. On n'accepte pas le témoignage de quelqu'un qui n'est pas sur la droiture. De même qu'on n'accepte pas que quelqu'un qui n'est pas sur la droiture juge entre nous nos affaires. De même que l'on n'accepte pas de quelqu'un qui n'est pas sur la droiture qu'il nous donne une fatwa sur la religion. Il faut qu'il soit sur la droiture de l'islam et qu'il ait la science, qu'il ait étudié la science pour pouvoir juger ou nous donner une fatwa dans la religion. Puis Allah tabarak wa ta'ala dit وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dans le sens des versets, et nous n'avions établi la direction, c'est-à-dire la qibla, vers laquelle tu te tournais que pour savoir qui suit le messager et qui s'en retourne sur ses talons. C'était un changement difficile, mais pas pour ceux qu'Allah guide. Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi, car Allah, certes, est compatissant et miséricordieux pour les hommes. Dans la fin de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala informe que quand il avait décidé et déterminé que la Qibla serait vers Beit al-Maqdis, vers la maison sacrée de Jérusalem, en premier lieu, c'était pour savoir qui allait suivre le messager et qui n'allait pas le suivre. C'est-à-dire une fois que l'ordre allait venir du changement. Certains vont dire, est-ce qu'Allah ne sait pas déjà qui va obéir ou non? Si, Allah le sait déjà. Mais la première science d'Allah, tabaraka ta'ala, c'est-à-dire son savoir que les gens vont désobéir, il ne s'en servira pas contre ses serviteurs pour les juger ou pour les châtier. La deuxième science, c'est-à-dire une fois que le serviteur a fait l'acte, c'est cette science-là dont Allah va se servir pour les châtier et pour les juger. Car ce sera un témoin contre eux du fait qu'ils ont agi de cette manière. Donc Allah sait déjà tous les actes et les choix que les serviteurs vont faire et leurs conséquences. Mais la seule science qui sera utilisée contre le serviteur le jour du jugement dernier, c'est la science de ce qu'ils ont pratiqué et choisi de leur propre gré. Donc Allah Ta'ala a voulu éprouver les gens en désignant en premier lieu la Qibla vers Beit al-Maqdis, vers la maison sacrée de Jérusalem, puis vers Al-Ka'ba, vers Mecca, Al-Ka'ba, la mosquée sacrée de la Mecque, pour voir qui suit réellement le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui croit en lui dans toutes les situations, qui a la croyance que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un serviteur d'Allah et messager, qu'il ne fait pas les choix de lui-même, mais il ne fait que transmettre la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même que les livres précédents ont annoncé cela concernant la Qibla. Donc c'était un test pour voir qui allait obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui allait retourner sur ses talons et retourner sur ses pas et qui allait se détourner de la vérité, qui allait suivre ses passions et qui allait augmenter en mécréance sur leur mécréance. Et en égarement, en plus de leur égarement dans lequel ils étaient. Et Allah Ta'ala annonce
que le changement de la Qibla, c'était quelque chose de difficile. Oui, pour les gens malades. C'était difficile pour les gens malades. C'était difficile pour les gens qui suivent leur passion. Mais, illa ala alladhina hadallah, sauf pour ceux qu'Allah a guidés, pour les croyants. Pour eux, ce n'était pas difficile, car ils ont reconnu le bienfait d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ils ont été reconnaissants envers lui, et ils ont su qu'Allah a voulu leur bien en cela, en les dirigeant vers la mosquée sacrée de la Mecque, car c'est le meilleur endroit, et le plus pur, et le plus élevé. Il en a même fait, subhanahu wa ta'ala, un pilier parmi les piliers de l'islam, c'est-à-dire le pèlerinage à la maison sacrée, et une cause de détruire tous les péchés, pour celui qui fait le pèlerinage d'une manière correcte et sincère, un pèlerinage pur de tout péché. Et Allah tabaraka wa ta'ala annonce: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi, car Allah, certes, est compatissant et miséricordieux pour les hommes. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala informe qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas injuste, et il est bienfaisant et compatissant et bienveillant envers ses serviteurs croyants. Car Allah ne fait pas perdre leur foi, ni la récompense de leur foi. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala fait toutes les causes pour leur garder leur récompense, pour préserver leur foi, pour faire augmenter leur foi, et pour faire augmenter la récompense de leur foi. Ici, quand Allah tabaraka wa ta'ala dit qu'il ne va pas faire perdre la récompense de la foi des croyants, ici la foi imanakum, les savants ont expliqué qu'Allah ta'ala ici parle de la salat, de la prière. C'est-à-dire Allah ne va pas faire perdre la récompense de vos prières que vous avez fait auparavant vers Beit al-Maqdis, vers Jérusalem. Et ceci est une preuve que les actes font partie de la foi. Car Allah a nommé la prière iman. Allah a nommé la salat iman. Il a nommé la salat en tant que foi. Et ceci vient appuyer la croyance des gens de la sunna, que les œuvres du cœur et les œuvres du corps font partie intégrante de la foi. Car Allah tabaraka wa ta'ala en réalité est compatissant et miséricordieux pour les hommes. Car Allah tabaraka wa ta'ala ne les charge pas au-dessus de leur capacité. Et il réglemente des lois pour leur bien-être. Et Allah tabaraka wa ta'ala n'éprouve pas ses serviteurs sans une sagesse. Ce n'est que pour leur bien, pour augmenter leur degré et pour augmenter leur foi et pour préserver leur foi, comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a expliqué dans ce verset. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallillahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.